Salut, salut les amis, c'est Fut for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défi, création d'équipe, DCE Live, avec le choix joueur Icon 90+. Donc les amis, vous aurez le choix entre trois joueurs Icon, vous pouvez le faire une fois maintenant, et dans 4 jours, vous pourrez le refaire une autre fois. Vous aurez 2 jours pour le faire. C'est un bon moyen pour vider ces gros footers. Perso, connaissant IE, je pense qu'il va y avoir des gros SBC pendant la Tot Ultime, genre les 85x10, etc. Donc, je sais pas s'il est à conseiller ou pas. Perso, je le fais sur mon compte principal. Tant pis, on verra bien. Mais sachez que ça coûte quand même 400 et quelques mille. Exactement, j'ai pas, mais le premier SBC, l'équipe notée à 86 coûte 91 000 crédits, l'équipe notée à 87 coûte 121 000 crédits, et l'équipe notée à 89 coûte 190 000 crédits. Donc vous voyez, on est déjà à 212 pour ces deux-là, plus 190, voilà, on est sur du 410 000 crédits facile. Voilà. Donc si vous avez les joueurs dans votre club et que vous en avez des tonnes, vous pouvez y aller, mais voilà, je tenais à vous dire, attention, 400 et 410 000 en tout cas le SBC, si vous devez acheter tous les joueurs. Au niveau des packs, pour l'équipe notée à 86, vous récupérez un pack premium joueur mélangé, un petit pack prime joueur or, et un petit pack joueur or rare. Donc les amis, je vous l'ai fait en concept parce que j'ai pas tous les joueurs exactement, j'ai pas beaucoup de crédits, donc il faut que je me démerde comme je peux. Mais je vous l'ai fait en concept, et puis après bien sûr je valide et on ouvre ça ensemble. Donc l'équipe notée à 86, il vous faut un joueur à 89, deux joueurs à 88, un joueur à 87, et tout le reste c'est des 83, donc il vous en faut 7, tout simplement. Donc là c'est pareil, vous mettez qui vous voulez, moi j'ai mis lui qui est pas câble en ce moment, vous verrez que dans le dernier j'ai mis Allison. Ouais, c'est peu importe le 89 que vous mettez, il demande pas de tas de cela, donc à vous de voir. Allez, c'est parti, on commence avec Ferdi Kadioglou, la version TOTS à 89. Toni Kroos et Keylor Navas pour les joueurs à 88. Khalidou Koulibaly pour le joueur à 87. Et pour le reste, 7 joueurs à 83. J'ai mis José María Jiménez, Duván Zapata, John Stones, Roberto Firmino, Ronald Araújo, Angelino et Oliver Baumann. Voilà, donc ça c'était pour ce que j'ai mis. Enfin, il me manquait les 83, plutôt que de les acheter parce que je sais que je vais être en galère de crédit, je vous les ai mis en concept. L'équipe Nota 87, celle-là, je ne vais plus la faire, je les avais tous. Il vous faut 3 joueurs à 90, 1 joueur à 87, 5 joueurs à 84 et 2 joueurs à 83. Donc là, c'est pareil. Les joueurs à 90, vous pouvez mettre des tots, vous pouvez mettre des or, vous faites comme vous le sentez. On commence avec Virgil van Dijk, Thibaut Courtois, Cristiano Ronaldo, Thomas Müller, Leonardo Bonucci, Sergio Ramos, Yuri Tielemans, Yacine Bounou, Joël Matip, et les joueurs 83, Ronald Araújo et Roberto Firmino. Donc là c'est pareil, bien sûr, Cristiano Ronaldo, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous prenez un autre 90 ou vous prenez un TOTS à 90, enfin voilà, des joueurs à 90, perso, en TOTS, j'en ai plus qu'une chier, je crois. Donc à 90, il faut juste que je regarde entre les SBC et tout. Vous voyez, il y a André, il y a Sergio Oliveira que vous pouvez récupérer gratuitement dans les clashs d'équipe. Enfin voilà, c'est vraiment pas des... Lui, je l'ai packé hier. Mais André, on l'a packé je sais pas combien de fois. Easy, il était dans les objectifs aussi. En tout cas, à 90, c'est pas ce qui manque vraiment. Donc je valide pas parce que je vais sûrement avoir besoin des joueurs pour l'équipe notée à 89. Donc là, par contre, il fallait un TOTS. Donc il vous faut deux joueurs notés à 93. Donc j'ai mis Klose et Samba, c'est les plus... on va dire qu'à ce prix-là, c'est moins cher. Enfin, à cette note-là, en tout cas, deux joueurs à 93. Et pour ceux qui ont ouvert des packs, qui ont ouvert des renforts Ligue 1, c'est obligé, vous les avez dans votre club. C'est obligé. On les a packés 25 fois. Donc, deux joueurs à 93, un joueur à 91, un joueur à 90, un joueur à 89, quatre joueurs à 84 et deux joueurs à 83. Donc là, c'est pareil. Vous faites avec les joueurs de votre club. Sinon, vous achetez forcément.
Allez, on commence avec Jonathan Kloss et Brice Samba pour les notes à 93. Rémi Cabella pour la note à 91. Benjamin André pour la note à 90. Alison Becker pour la note à 89. Et pour les 84, on commence avec Joël Matip, Sergio Ramos, Yacine Bounou, Yuri Chelmans et José María Jiménez et Duván Zapata pour les joueurs à 83. Donc voilà les amis, ce n'est qu'un concept, vous le faites avec les joueurs de votre club en priorité. Il suffit que vous mettiez des joueurs qui ont la même note que moi. Si vous pouvez vraiment, il y a plein de solutions, vous pouvez mettre par exemple des joueurs à 90 au lieu de mettre des joueurs à 93, mais là au lieu de mettre des joueurs à 84, il va falloir mettre des joueurs à 87-88. Donc au final, voilà, vous êtes moins cher, vaut mieux acheter deux joueurs à 93 pour faire gonfler la note. C'est toujours le même délire, vous connaissez. Voilà les amis, donc je fais ça avec les joueurs de mon club, je me démerde comme je peux, et puis on valide ça. Voilà les amis, c'est terminé. Le choix joueur icône 90+, donc on va savoir quelle douille on va prendre. Donc c'est un choix sur 3. C'est parti. Alors, Dalglish, Lame ou Van Persie? Bon, Dalglish en soi c'est pas mal, c'est pas ouf non plus, mais je reste quand même qu'on écoute. Sir Kenny Dalglish, alors je regarde juste son prix. Un Dalglish c'est 769 000, donc on va dire que c'est quand même une win, sachant que le SBC nous aurait coûté 400 000. Bon, moi il m'a coûté 10 000 crédits, mais ça reste pas dégueulasse du tout. Maintenant, je suis pas sûr que je le joue, je fais déjà pas jouer Ben Yedder Tots. Donc je sais pas. Bon, je vais le prendre quand même. Ça reste quand même une win. Mais voilà. Bon. En espérant, j'aurais préféré un petit. J'aurais préféré autre chose. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a peut-être. Est-ce qu'on s'ouvrira pas les packs? Allez, on va s'ouvrir les packs. Ça, c'est les packs des SBC. Sachant que j'ai besoin de joueurs. J'ai beaucoup besoin de joueurs 83-84. Donc, on va essayer d'en choper un peu. On va essayer. C'est pas gagné, mais on va essayer. Petit pack joueur or rare maintenant. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Oh putain. Nick Zouli. Ok. En vente rapide, c'est toujours 15 000 crédits. Merci, IE. Et pack premium joueur mélangé. Oh, ah bah merci, 15 000 crédits de plus. Heureusement qu'ils sont là. Parce que franchement, sinon, on serait dans la merde. Je pense pas que. Ah, on peut les vendre 13 000 quand même. Mais la vente rapide est à 15 000, donc bon, c'est vite réglé. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Pack de joueurs rares, pack Bundesliga, on va se faire les deux joueurs rares. Dans la vidéo précédente sur mon compte secondaire, on a eu Dybala là-dedans, mais là non, ça ne fonctionnera pas. Il m'aurait bien servi dans la Coupe Tots, mais tant pis. Et du coup, on a quoi? On n'a pas comme promo, on n'a rien, pack or, c'est parti. L'aperçu de la merde. Bon, ben voilà, on a récupéré 30 000 crédits, on va pas se plaindre, parce que c'était mal barré. Voilà les amis, j'espère que si vous le faites, dites-le moi en commentaire ou dites-moi qui vous avez eu en icône. Mais bon, peut-être à tester en super sub. Pourquoi pas, on verra bien. Voilà les amis, à très vite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao et merci.